9, 3, 4. Tu vois, tu vas encore tes bras comme ça, et surtout, tu n'ouvres pas, tu finis comme ça. Tu vas absolument ouvrir avec la main ici. C'est une école mixte, garçons et filles, entièrement gratuite. C'est un théâtre national. La scolarité est faite absolument comme dans les autres écoles. Les enfants étudient la danse. Ce sont des enfants qui ont décidé d'être danseurs dans l'avenir et qui préparent donc un métier. On entre ici par un examen, un examen de stage, si vous voulez, qui sera éliminatoire au bout de 3 mois. Ensuite, les enfants seront donc admis dans l'école de danse, où ils sont donc pris en charge toute la journée par l'opéra, par la scolarité et les cours de danse. La scolarité normale. La scolarité normale, oui. Le BEPC est d'ailleurs obligatoire pour être engagé dans le corps de ballet de l'opéra, et les élèves peuvent continuer leurs études jusqu'au baccalauréat. 1, 3, 4. Solide par terre et les bras ils sont légers. Voilà, ça a l'air très facile. Sens bien que tu es sur cette jambe de terre. Serre le popo, tu dois être solide, même s'il y a du vent. Tiens, reste, bouge pas, dépose doucement. L'âge normal d'entrée à l'école est de 8 à 10 ans. Il y a 5 divisions filles et 5 divisions garçons. On commence la première année par la 5e division et on finit en première division. L'enseignement des élèves comprend également leur participation à certains spectacles de ballet ou d'opéra. Cela leur donne l'occasion au cours des répétitions d'entrer en contact avec le corps de ballet et les étoiles. Ici, Patrice Barr. Claudette Squarneck. Jean Guizrix. Wilfried Piollet, Nanon Thibon, Georges Piletta, Cyril Atanasoff, Christiane Vlassy, Jean-Pierre Franchetti. Et les bras ensuite. Les enfants, bien, on les bras. On avance. Et on se. Et un.
Chaque année d'études est sanctionnée par un examen. L'élève est soit admis dans la classe supérieure, soit autorisé à redoubler, soit malheureusement exclu de l'école. Encore. Là, c'est flou, quoi. Et le mouvement, on sait pas où on se trouve, on peut se trouver n'importe où. Oui, très bien. Très bien, Roland. Tu vas voir à quel point tu as raison, même. Mais encore. Mystérieuse, Agnès. Oui. En effet, il se dégage de là une impression de mystère. Vous ne m'avez pas dit exactement ce à quoi pensait le compositeur. Mais lorsque vous m'avez parlé d'une musique mystérieuse, d'une musique incertaine, vous avez dégagé l'essentiel de l'œuvre. Et c'est ça qui est très important. Parce qu'un compositeur qui écrit une œuvre, il a une idée, bien sûr, il a un support intellectuel. Mais l'auditeur qui reçoit cette œuvre, il la reçoit uniquement avec sa sensibilité. Or, la sensibilité d'Hélène n'est pas forcément la sensibilité de Roland, ou celle de Didier, n'est-ce pas? Une répétition du ballet suite de danse. Avec Christiane Vlassy et Georges Piletta.
battements fondus, développés, relevés. Oui. Bien. Alors, on va analyser tous les défauts qui peuvent se produire. Mais dites-moi, quel est l'élément qui doit rester stable pendant tout le mouvement? Pas seulement le bassin, oui, c'est la base. Mais le bassin supporte tout l'axe vertébral. Donc, en effet, l'équilibre, d'abord, vient de la base. Mais c'est tout l'axe vertébral qui doit être résistant. Il faut donc développer les qualités statiques de l'axe vertébral. C'est-à-dire réduire les courbures. Et pourquoi? Pourquoi? Oui, il se produit un affaissement. Et bien justement, pour alléger les charges. Pour donner des points d'appui aux muscles chargés de maintenir la hanche du côté de l'appui et aux muscles chargés de faire bouger la hanche de l'autre côté. En faites le défaut et faites la correction. On vous regarde. Bon, faites le défaut, voilà. Corrigez. Et ça tourne. Let the snow and the clouds chase.
pas tes mains. Là. Mais oui. Madame Suzanne. Vous avez eu vos capuches? Mais ici, il pleut. Hein? Faut pas le voir? Faut pas le voir, les enfants? Oui? Oui? J'ai acheté une capuche, hein, je vous l'ai dit. Hein. Chaque fois, vous avez le trajet à faire et chaque fois, s'il pleut, vous avez la tête mouillée. Après ça, vous êtes pendant 8 jours malade. Alors, ça ne vous arrange pas, vous prenez pas trop. Hein? Événement très important pour les élèves et leur participation au grand défilé avec tout le corps de ballet et les étoiles. Les petites filles, maintenant, Claude, tu as prévu quelque chose? Non? Alors voilà, il y a que les métrages aussi, il y a que les... On pensait qu'elles étaient là, genoux en miro. Alors, c'est prêt? Ce spectacle est unique au monde et propre au Théâtre National de l'Opéra de Paris. En effet, le foyer de la danse est à cette occasion relié à la scène. D'autre part, tous ceux qui ne sont pas sur le plateau, voulez-vous avoir la gentillesse de partir dans les coulisses, s'il vous plaît. Parce qu'on ne sait plus qui est sur le plateau, qui n'y est plus. Enfoncez les talons dans le sol. Les poings serrés, les genoux tendus, Patrick, et pas les hanches de travers. On y va. Un, deux par deux, et on enchaîne. Un, deux, et hop, deux.
On m'a dit que par promotion, 2 élèves sur 20 étaient reçus dans le corps de ballet. Est-ce exact? Oui. Vous savez, c'est très difficile de faire des statistiques, étant donné que chaque année, il y a des examens, chaque année, il y a des éléments nouveaux qui rentrent, d'autres qui s'en vont. Si vous voulez, c'est quand même assez difficile d'arriver à faire des statistiques. Mais on peut dire quand même que les éléments qui arrivent dans les dernières classes, c'est-à-dire les premières divisions, la seconde et première division, à moins qu'il y ait d'un seul coup un handicap physique qui se présente, un enfant qui grandisse trop ou qui grossisse, en général, ces enfants sont prédisposés à être engagés s'ils sont dans les dernières divisions. Thank you.